Salut les potos, c'est Fosso au micro. Alors comme promis, je vous avais dit que je vous ferais un petit pactage sniper pour le monde ouvert et l'émission. Ma précédente vidéo, c'était un pactage sniper le plus puissant, celui qui tape le plus, celui que les speedrunners se servent, notamment sur le raid 1, sur le raid 2, surtout sur le raid 2 à l'étape 4 à Morozova. Donc là, je vous avais promis un petit build, un pactage très très cool, très sympa. Je n'avais pas moi-même pas testé, que j'ai testé aujourd'hui, vu que j'ai fait le pactage. Il est franchement super. Si tu tombes avec ce pactage, change de jeu, hein. Il faut jouer à autre chose. Tu vas voir pourquoi. Je pense que si tu l'essayes, que tu n'es pas fan du sniper et que tu commences à essayer ce build, je pense que tu vas commencer à changer d'avis sur les snipers. Donc j'ai gardé mon modèle 700 comme tu peux voir. Et puis mon Ménésis là. Dans le précédent build, il y avait deux hotshots. Là, on est parti sur quatre hotshots. Ce qui va nous intéresser, ça va être les quatre éléments du build hotshot. Après le premier tir réussi, tu vas avoir pour le deuxième tir 20% de dégâts hotshot supplémentaires. Au prochain tir réussi, tu vas avoir 10% de protection qui revient si tu t'es fait esquinter. Si tu t'es pas fait esquinter, tu auras une protection bonus qui peut aller jusqu'à de 10 en 10, 5 fois, jusqu'à 50% de ta protection actuelle que tu as. Donc tu vas te retrouver avec toute ta protection blanc entière, plus la moitié de cette protection blanc en bleu. Donc ça te sert quand même en full rouge une sacrée bonne armure pour moi, à mon avis, en te battant dans le monde ouvert ou en faisant des points de contrôle ou des missions ou des. Tu peux pas faire autrement que d'être full armure et full bleu. Pour moi, c'est pas possible. Au troisième tir réussi, tu vas accumuler les dégâts, l'armure. Enfin non, au troisième tir réussi, tu vas recharger automatique le chargeur. Au quatrième tir, tu vas accumuler les trois bonus. Donc, toutes les quatre balles, paf, tu chopes les trois bonus. Le fusil en lui-même, le modèle 700, il a un chargeur de 7 balles, soit c'est pas beaucoup, il est un petit peu lent à recharger, mais et encore quand je dis un petit peu lent, c'est pas la mort, hein. Le cumul des talents. Des quatre pièces du build Hotshot, ça c'est une chose. Je joue en Heraldi pour avoir du dégât de fusil de précision supplémentaire et le nommé du Walker Harris, chasseur de tête. Donc au premier tir dans la tête, vous allez proquer le résolu qui fera en sorte que chacun de vos tirs suivants, peu importe où vous touchez, soit un headshot. Donc pour moi, ça va être difficile de pas tuer le mob, quoi. Votre chasseur de tête, il va, étant donné qu'on a beaucoup, presque 300 en critique, on va proquer 1250% de dégâts. On va passer d'un truc de 8 millions à genre 35 millions par coup, quoi. Que vous tiriez dans le doigt de pied ou que vous tiriez dans la tête ou dans le torse ou dans le bras. Ça sera forcément mort par headshot à 35 millions. C'est impossible de faire sauter le talent des quatre pièces hotshot. Si 4 balles, 4 morts, 4 fois le talent, 4 fois les dégâts, 4 fois l'armure, vous récupérez vos balles. Si vous ne loupez pas de balles, il meurt, c'est sûr, et vous rechargez jamais. Je dis bien jamais, parce que toutes les 4 balles réussies, il recharge votre chargeur automatique. Il a 7 coups, mais finalement, tous les 4 coups, votre truc est plein. Donc si vous débrouillez bien, enfin, c'est vraiment pas dur, c'est un truc où on ne recharge pas, on ne recharge jamais. Voilà. Headshot tout le temps, mort tout le temps. J'ai trouvé ce petit pactage super intéressant, même en héroïque, pour bon, tous les mecs, tous les joueurs qui ont l'habitude, les joueurs confirmés, les joueurs pros encore plus. Cette vidéo va paraître un petit peu dérisoire, mais toi qui te tâtes à aller en héroïque, c'est un peu dur, je suis tout seul, j'ai pas forcément mes potes qui sont connectés, ou j'ai pas de potes, il faut que je me tape le monde ouvert, les points de contrôle, des trucs. Tout seul, je pense que ce pactage, il est fait pour toi, quoi.
Voilà, donc maintenant je vais vous laisser regarder un petit morceau de gameplay. Je vais vous mettre 3-4 minutes, 3-4-5 minutes. Je vous demanderai, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te demanderai de mettre un pouce, peu importe quel pouce, en l'air, en bas, peu importe ce que toi tu penses, ce que, pas un pouce en l'air pour me faire plaisir, ce que toi tu penses. Sache que si tu mets ce pouce, ça va m'aider dans le référencement de mes vidéos sur YouTube. Alors les petits on va dire, entre guillemets youtubeurs, les petits créateurs avec des petites chaînes, j'ai 600 abonnés, c'est vraiment minuscule. On a du mal à progresser, on ne peut pas progresser si vous ne lâchez pas de pouce, qu'il soit positif ou négatif. C'est pas important, c'est lâcher votre pouce, donner votre impression, ce que vous avez ressenti sur la vidéo, c'est très important. Ce qui va m'aider aussi encore plus pour le référencement YouTube pour la vidéo, ça va être les commentaires. Donc t'es pas obligé de raconter ta vie, me mettre des commentaires de dingue, des bons commentaires, tu peux mettre des commentaires négatifs, il n'y a aucun problème. Lâche ton petit commentaire, hein. Même un truc très simple, très court, merci Fosso ou salut. Un tout petit truc, ça va grandement aider ma chaîne à grandir. Je te remercie d'avance de faire l'effort. J'espère que ce pactage t'aidera. Maintenant, place au gameplay. En approche. Nouveau contact hostile détecté. Blindé détecté.